Bonjour à tous et bienvenue au troisième rendez-vous du cycle de conférences L'université au musée. Après la conférence de Monsieur Asano Shugo sur les Meishō-e, c'est-à-dire les vues célèbres du Japon et le Kisokaidō, et la conférence de Madame Brigitte Koyama-Richard sur le voyage à l'époque d'Edo, aujourd'hui, c'est moi qui va vous parler d'un artiste représenté dans notre exposition Voyage sur la route du Kisokaidō, c'est-à-dire Utagawa Kuniyoshi. Le titre de la conférence d'aujourd'hui est Utagawa Kuniyoshi, la beauté de l'étrange. Kuniyoshi est l'un des artistes les plus singuliers au Japon au 19e siècle. Il a été classé également comme un excentrique par le professeur Tsuji Nobuo. Il est un artiste qui s'occupait de différents genres de l'ukiyo-e et qui a toujours montré une imagination très puissante dans ses créations. Tout d'abord, j'aimerais vous préciser que les œuvres que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des estampes Nishikie. Madame Brigitte Koyama-Richard nous a expliqué très bien la technique de gravure sur bois des estampes japonaises. Je souhaiterais juste vous dire un mot sur les différents types d'estampes, d'impressions, c'est-à-dire que au Japon, vers la fin du XVIIe siècle, on réalise des estampes, des impressions monochromes qu'on appelle sumizuri-e, c'est-à-dire des impressions réalisées à l'encre de Chine. Ensuite, plus tard, au tout début du XVIIIe siècle, donc vers 1700, on peut trouver des estampes qui ont été réalisées à l'aide d'un pigment rouge orangé, un oxyde à base de plomb et d'un pigment rose issu de la fleur de safran qui sont appliqués à la main. Et ce type d'estampes, on les appelle benizurie. Enfin, c'est vers la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et en particulier autour de 1764-65, grâce à Suzuki Harunobu et son entourage, on voit des estampes qu'on appelle Nishikie, et qu'on traduit de manière littérale estampes de broca, c'est-à-dire des gravures polychromes. Comme je vous disais, Kuniyoshi est considéré comme l'un des artistes les plus singuliers du 19e siècle au Japon. Il était élève de Utagawa Toyokuni, c'est-à-dire un artiste qu'au début du 19e siècle était une sorte d'étoile dans le panorama artistique japonais, à Edo. Il avait eu l'occasion de voir un dessin réalisé par Kuniyoshi, âgé de 11 ans environ. Il avait tout de suite apprécié les qualités de cet enfant et c'est pour ça qu'il va l'accueillir dans son atelier quelques années après. Kuniyoshi est le co-disciple d'un autre artiste de l'école Utagawa, peut-être l'un des plus prolifiques du 19e siècle, c'est-à-dire Utagawa Kunisada. Dans notre exposition, nous montrons des projections d'images tirées de la série que Kunisada consacre à la route de Kisokaidō. Alors, si Kunisada connaît un succès assez rapidement, ce n'est pas le cas pour Kuniyoshi. Kuniyoshi également débute sa carrière en faisant de l'illustration de livres, comme c'est le cas pour d'autres artistes de l'école Utagawa. Et aussi un représentant des portraits d'acteurs, ce qu'en japonais on appelle yakushae. Et d'ailleurs, c'était la spécialité de son maître, c'est-à-dire de Toyokuni, qui était très doué surtout pour ce qu'on appelle les portraits ressemblants, les nigaoe. Kuniyoshi, donc, comme je vous disais, a eu du mal à s'affirmer sur la scène artistique d'Edo. Et donc, il a connu un succès très tardivement par rapport à son condisciple Kunisada, et ça sera seulement autour de 1827. À ce moment, Kuniyoshi publie une série d'estampes qui s'inspire d'un roman célèbre chinois, c'est-à-dire ce qu'en japonais on appelle Suikoden et qu'on traduit par Au bord de l'eau, qui est publié, qui est traduit au Japon en 1806 par Kyokutei Baki, l'un des écrivains les plus connus à l'époque, et qui est illustré
par Katsushika Hokusai. En fait, ce roman chinois est diffusé au Japon depuis le XVIIIe siècle, mais c'est au début du XIXe siècle, donc grâce à cette traduction de Bakin illustrée par Hokusai, qui le succès sera énorme et surtout, c'est un roman qui sera très répandu et très connu par les populations, les citadins de l'époque. Alors, comme on voit ici, l'image en bas à droite est tirée de ce roman illustré par Hokusai. Les illustrations de Hokusai sont monochromes, donc sont à l'encre de Chine, alors que les héros, les guerriers représentés par Kuniyoshi, donc qui représente plusieurs héros appartenant à ce roman qui a un grand succès au Japon, sont polychromes. Et les couleurs sont très brillantes, donc attirent énormément l'attention du public. Ici, on voit la représentation de l'un des héros les plus célèbres de cet ouvrage. En fait, Kuniyoshi, il crée quelque chose de très particulier et de très original. Il consacre une feuille pour chaque héros, pas pour tous. En fait, aujourd'hui, on compte environ 74 estampes appartenant à cette série, qu'on peut traduire par les 108 héros de notre pays, de la version populaire du roman En bord de l'eau. Et justement, ces images dégagent une puissance et un dynamisme énorme. Alors, le guerrier ici représenté est Kyumon Ryo Shinshin, et en fait, il était très connu surtout pour sa dextérité à utiliser le bâton, donc pour le bâton de combat. Et c'est justement dans cette activité que Kuniyoshi le représente. J'attire votre attention sur la composition de cette image qui est très puissante. Tout d'abord, sur l'utilisation de lignes diagonales et en particulier sur le croisement des deux bâtons, des deux héros, qui confère une certaine stabilité à l'image. Ensuite, c'est très intéressant de voir la manière très calligraphique où Kuniyoshi a dessiné les lignes de textile qui couvre la partie inférieure du corps de guerrière, qui est décorée avec un tatouage représentant 9 dragons sur le dos. Alors, les tatouages, c'est l'un des aspects qui fait le succès de cette série. Les tatouages qu'on appelle horimono en japonais étaient très appréciés à l'époque, en particulier par la classe des artisans, et certains motifs très flamboyants attiraient énormément l'attention. Une autre estampe appartenant à la même série représente un autre héros, un autre guerrier, qui, bien sûr, ici le nom est japonais, mais c'est-à-dire que c'est des héros chinois hein, qui ont été après connus au Japon et dont le nom a été transcrit aussi en japonais. Donc la même série, publiée toujours autour de 1827-1830. Ici aussi, la composition est très intéressante. On voit cette diagonale très marquée, évoqué à l'aide de la représentation de ce rocher qui partage en deux la composition, la feuille. Au milieu de la composition se trouve le héros, le guerrier, dont le dos est là encore une fois décoré d'un tatouage. Ici, on a le motif du songe. Le même motif, on le retrouve dans le décor du textile porté par le guerrier, et encore une fois, un bâton qu'il tient dans sa main droite et qui permet d'accentuer cette coupe diagonale de la feuille. Cette série a connu un succès énorme au point que l'éditeur demande à Kuniyoshi de réaliser une autre série dans le même sillage de la première série. Et il s'agit de la série Les 800 héros de notre pays, de la version populaire du roman Au bord de l'eau. Cette fois, c'est des héros japonais qui sont mis à l'honneur. Et là, on a par exemple une image magnifique, très puissante, de Saginoike Heikuro, qui lutte contre un serpent
géant. Contrairement à l'iconographie habituelle qu'on trouve ici, le héros ouvre la gueule de serpent avec ses deux mains nues et avec une puissance incroyable. On remarque le regard de serpent qui semble presque effrayé par la force du héros. Ensuite, moi, je trouve formidable cette composition, ce contraste entre les lignes sinueuses du corps de serpent et les lignes anguleuses, on peut dire ces angles créés par la manière où l'artiste a dessiné le corps de guerrière. On retrouve presque des angles de 90 degrés, vous voyez, en fait composés par le bras plié ou la jambe pliée du héros. Et on peut toujours évoquer des lignes idéales, des diagonales idéales tracées par la manière où l'artiste a figuré le héros entre justement le bras et le pied en bas. Ces compositions sont toujours sont représentées sur un fond très sombre. Des inscriptions apparaissent qui donnent des informations sur le héros représenté. Toujours appartenant à la même série, une autre feuille que je vous montre et qui représente l'un des héros les plus célèbres au Japon, c'est-à-dire Miyamoto Musashi, qui était connu en fait pour être l'un des guerriers le plus tué dans le maniement des sabres. Il avait appris cette pratique dès son plus jeune âge. Il était très connu surtout pour ses exploits, comme plusieurs estampes montrent, des combats avec des animaux de taille énorme, gigantesque. C'est le cas ici pour ce reptile monstrueux qu'il essaie de transpercer. Et on voit cette composition très intéressante. On dirait que l'animal et le guerrier constituent comme une sorte de cercle. La composition est très dense. En fait, ce qui est très intéressant dans ces images, comme on voit également dans le cas de Sagi no Ike, c'est que l'image est presque entièrement remplie. En fait, j'ai l'habitude de parler de l'art japonais comme une forme d'art qui ne souffre pas d'horreur vacui. Alors là, c'est exactement le contraire. Et c'est en ça aussi qui s'exprime, en fait, d'une certaine manière, l'originalité de Kuniyoshi. Et justement, une représentation concernant Miyamoto Musashi, on peut la retrouver dans une des feuilles des estampes montrées dans notre exposition, réalisée par Kuniyoshi, et qui représente le guerrier, le héros, en relation avec le relais de Musa. Et en faisant un jeu de mots entre le nom du relais et le nom du guerrier, Musa Musashi. Et c'est une des feuilles les plus intéressantes et surtout parmi les plus dynamiques. Alors, Kuniyoshi, donc, on l'a vu, s'attache à représenter des héros. Ces estampes qu'on appelle au Japon Mushae, donc images de guerriers, ont fait de lui un artiste reconnu, un dessinateur d'estampes reconnu au 19e siècle. Et ce sera à partir de ce succès qu'il obtient entre 1827 et 1836 que l'artiste commencera à se consacrer à d'autres genres de l'ukiyo-e, donc de la gravure sur bois, à renouvelant sans cesse ses dessins et surtout grâce à son imagination débridée. Alors ici, l'une des estampes les plus belles de sa production est mise à l'honneur un héros, mais cette fois il s'agit d'un héros des enfants, c'est-à-dire Kaidomaru, mieux connu au Japon sous le nom de Kintaro. C'est une estampe impressionnante, douée d'une puissance, là encore, et d'un dynamisme remarquable. Kaidomaru, il est un personnage légendaire, en fait. Il est censé être né de la sorcière des montagnes, Yamauba ou Yamamba. Et donc, il a été élevé dans les montagnes. Et c'est pour ça que les animaux sont ses seuls amis.
Et ça, on le voit très bien dans l'image à côté, c'est-à-dire l'une des estampes des relais de la route d'Ukisokaido que nous présentons dans notre exposition et qui met justement en valeur la figure de Kintaro. Vous le voyez, Kintaro, il est toujours caractérisé par cette peau d'une teinte rouge. C'est une manière d'évoquer sa force, sa puissance surhumaine. Et ici, sur l'image de gauche, il est en train d'attraper une carpe. La carpe, normalement, au Japon, est une image rapprochée toujours aux enfants. Et notamment l'image de la carpe qui, remontant la cascade, se transforme en dragon, est une image de bon souhait, et surtout de persévérance, de force, de courage, qui est souvent rapprochée aux enfants, qui représente toujours une image de bon augure pour les enfants. Dans la représentation de Kaidomaru, de l'estampe sur la gauche, Kuniyoshi choisit une palette de couleurs très réduite. Donc, on a un bleu plus foncé, un bleu clair, le noir et bien évidemment le blanc pour les écumes, les vagues et ces petits points qui sont diffusés partout et qui évoquent d'une certaine manière les mouvements dans l'eau, créent une image très dynamique. Alors, pour ce qui concerne l'image de Kisokaido, ici, Kaidomaru est en train de chasser un petit tengu, c'est-à-dire un petit être légendaire qui a les caractéristiques mi-humaine, mi-aviaire. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette série de Kisokaido, dont on parlera plus tard, c'est les cartouches et les encadrés qui figurent sur les feuilles. Et en haut à droite, le cartouche rouge sur lequel figure le titre de la série est entouré par des éléments décoratifs. Il s'agit de jouets les plus appréciés parmi les jeux de l'époque d'Edo. Alors que l'encadré où figure le paysage est en forme de hache, c'est-à-dire l'instrument préféré par Kintaro. Alors, Kuniyoshi s'est attaché aussi à représenter le paysage, l'un des genres des estampes ukiyo-e. Ces paysages, et au moins ce que je vous présente, quelques exemples que je vous présente aujourd'hui, sont très particuliers. Tout d'abord, ils nous permettent de comprendre que Kuniyoshi a beaucoup étudié les techniques de l'illustration occidentale. On dit qu'il possédait une collection d'estampes de lithographie occidentale assez prisée pour l'époque. Ici, on a la représentation de ce qu'on peut classer comme un Meishō-e, c'est-à-dire un lieu célèbre du Japon. Le titre de l'estampe est Les Pans de Shubi, c'est-à-dire les Pans de la Fortune, de la capitale de l'Est, c'est-à-dire Edo. Les Pans de Shubi, qui sont le sujet de cette estampe, ne sont représentés qu'à l'arrière-plan, entre une falaise et un rocher à la forme très particulière, en forme de triangle. Et on les voit à peine. Alors que normalement, dans les Meishō-e, justement, les sujets représentés sont très mis en valeur. Et surtout, en fait, les Pans de Shubi étaient l'une des vues les plus appréciées, on va dire, le long de la Sumida, de la rivière Sumida à Edo. Alors, ce qui nous intéresse dans cette estampe, c'est la manière où l'artiste représente, par exemple, ce crabe en premier plan, au premier plan, qui a des dimensions assez étonnantes et qui nous fait penser parfois à des illustrations hollandaises de nature morte. Et aussi, je retiens votre attention sur la manière de représenter les nuages, qui semblent s'être inspirés plutôt des techniques, des procédés occidentaux, de motifs de l'iconographie occidentale. Une autre estampe qui représente une scène de rue, c'était une route qui a mené au quartier de plaisir, le Shin Yoshiwara, c'est-à-dire le nouveau quartier de plaisir qui avait été construit suite à l'incendie qui avait frappé le Yoshiwara autour de 1657.
C'est une scène de rue, comme je vous disais, qui se déroule sous la pleine lune. C'est très intéressant tout d'abord parce que les personnages représentés projettent une ombre sur le sol. Et là encore, on voit une référence, si vous voyez, aux techniques, aux procédés techniques occidentaux. On voit des personnages qui se croisent et surtout un personnage dont on ne voit pas l'aspect qui est transporté en palanquin. Donc, il doit s'agir d'un personnage de haut rang. La manière de représenter la lune de Kuniyoshi est très intéressante et notamment la lumière qu'elle reflète est ici évoquée par ce disque énorme dont le cartouche sur la droite, sous l'angle, le coin anneau à droite, de forme circulaire, fait écho. Encore une autre image qui s'inspire très certainement d'une illustration occidentale, en particulier en ce qui concerne la représentation du cheval, la pose du cheval. Et vous voyez en bas à gauche une illustration de l'une des fables d'Ésope qui a très probablement dû inspirer Kuniyoshi. Ici, Kuniyoshi pourtant représente un thème qui fait partie de l'iconographie japonaise et qui s'inspire d'un ouvrage classique, c'est-à-dire le recueil de traditions de Jadis et de Naguère, un recueil qui était publié au Japon en 1254. C'est une héroïne ici qui est mise en valeur, c'est-à-dire Okane, qui était pourvue d'une force extraordinaire et dont on racontait qu'elle était tellement forte qu'elle était arrivée à dompter un cheval en balai grâce à l'aide de son geta, vous savez, son sandal en bois, en bloquant les rênes du cheval. Et là encore, il y a un jeu de clair-obscur très intéressant et la manière d'évoquer les nuages sur le ciel qui nous fait d'une certaine manière penser aux illustrations occidentales. Un autre exemple est montré par cet autre paysage réalisé par Kuniyoshi, dont le titre est L'attaque nocturne. Il s'agit d'un épisode de l'un des ouvrages célèbres au Japon, qui a après inspiré des pièces de théâtre et notamment de kabuki. Kanadeon Chushingura, c'est l'histoire, une histoire de vengeance qui raconte la vengeance des 47 samouraïs sans maître, c'est-à-dire les ronin. Cette vengeance, justement, contre celui qui a tué leur maître. Alors, tout d'abord, ce qui est très intéressant de voir, c'est la représentation des bâtiments faits par Kuniyoshi, qui s'inspire d'une manière très claire à cette illustration que je vous montre, publiée par un Hollandais, Johan Nieuwhof, à la fin du XVIIe siècle. Et ce qui est très intéressant, ce n'est pas seulement les bâtiments dont les formes sont vraiment prises, très géométriques, hein, très prises par cette feuille, cette illustration, mais aussi la manière où l'artiste représente les personnages. Alors, dans les stampes de Kuniyoshi, bien sûr, les ronines, et surtout la proportion, en fait, entre les personnages et les bâtiments. Alors, comme je vous disais, cette estampe représente un moment très particulier, c'est-à-dire une attaque nocturne. C'est les Ronin qui débarquent au palais de Kono-Moronao, c'est-à-dire celui qui avait tué leur maître et qui était un gouverneur de la province de Musashi, ayant vécu au XIVe siècle au Japon. Ils arrivent, ils débarquent en pleine nuit. L'estampe de Kuniyoshi est justement présente justement la pleine lune et surtout un paysage enneigé, car la scène se déroule en hiver. Cet même épisode est évoqué par Kuniyoshi dans une estampe consacrée aux 69 relais de la route d'Ukisokaido que nous présentons dans notre exposition.
zèle consacré au relais de Konosu, dont le titre est Konosu Ko no Moronao. Et là, encore une fois, le rapprochement entre le relais de la route, le nom du relais de la route, et le nom de personnage représenté, à l'occurrence Ko no Moronao, fait un jeu de mots et permettait aux observateurs cultivés de l'époque justement de comprendre de quel relais il était question et de quel épisode il était question, et donc de repérer l'ouvrage de référence. Alors, là encore, Kuniyoshi représente le même épisode, mais d'une manière tout à fait différente. Ici, au centre de l'image, on voit Kono Moronao qui s'enfuit en pleine nuit, encore une fois, et dans un paysage de neige, entouré par ses hommes. Les Ronin sont arrivés et sont prêts à venger leur maître. Ce qui est intéressant ici, c'est l'encadré en forme de fleur de Polonia, c'est-à-dire cette forme évoque l'armoirie de la famille de Kono Moronao, et aussi que la fleur de Polonia est utilisée par Kuniyoshi dans son sceau, comme on peut le voir en bas à gauche de l'image. Alors, Kuniyoshi a réalisé également des estampes de belles dames, ce qu'on appelle Bijinga. Ces estampes sont très particulières parce qu'en fait, les figures représentées ne montrent pas des beautés idéalisées, mais c'est plutôt des figures ordinaires. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il saisit des épisodes de la vie de tous les jours, comme par exemple les festivals qui sont très nombreux au Japon. Ici, dans cette série, il célèbre, en particulier dans cette estampe, le festival de Tanabata, qui a lieu le septième jour du septième mois. Et c'est magnifique cette image où la figure féminine est enveloppée par ce vent très fort et qui évoque une sensation de dynamisme et de mouvement impressionnant. Ces figures sont toujours habillées avec des kimonos, des furisodés dans ce cas, très élégants. Ici, la présence sur le fond d'un bambou avec, vous voyez, des petites feuilles, des petits morceaux de papier de forme oblongue qu'on appelle au Japon tanzaku. Ici en bas, vous voyez une autre image d'un bambou justement avec plein de ces tanzaku. En fait, c'est l'une des caractéristiques de Tanabata où les personnes écrivent des petits poèmes ou bien des vœux et les accrochent aux branches des arbres de bambou. À la même série appartient cette autre image qui représente, qui est consacrée pourtant à un autre mois, donc le cinquième mois, et au festival de la rivière du pont Ryogoku. En fait, là aussi, on se retrouve face à une scène de la vie quotidienne où on retrouve toujours ces personnages qui sont des personnages ordinaires. C'est une promenade en bateau. Cette jeune dame est élégamment habillée et accompagnée par son assistante, une Kamuro. Et ce qui est très intéressant dans ces feuilles appartenant toujours à la même série, c'est l'encadré pour le petit paysage, en haut à droite ici et à gauche dans l'image précédente, qui est en forme de Toshidamain, c'est-à-dire de cachet. C'est un cachet attaché à l'école Otagawa, qui était par exemple utilisé par Kunisada très souvent. Alors, les images de Kuniyoshi de Belle Dame, on peut citer également ces feuilles réalisées sur un support très particulier, c'est-à-dire en forme d'éventail Uchiwa. C'était des feuilles, c'était des estampes qui pouvaient être découpées et ensuite collées sur des armatures en bambou et donc s'en servir comme éventail. Les Uchiwa, on peut les classer comme des écrins rigides, très différents par rapport aux éventails pliables, et ils étaient souvent décorés soit de peinture, soit de gravure sur bois, comme c'est le cas ici. Et là encore, nous pouvons retrouver les mêmes caractéristiques des estampes précédentes, donc des beautés naturelles, habillées d'une manière très élégante. Il faut se rappeler que Kuniyoshi était le fils d'un teinturier, et donc dès sa plus jeune âge, il était habitué d'une certaine manière, il avait habitué son œil à la polychromie
Et donc, ils ont très importance au textile et au décor des textiles, comme c'est le cas pour ce magnifique Uchiwa et pour l'habit de cette dame représentée, les motifs décoratifs très soignés. Alors, Kuniyoshi, il est l'auteur également de triptyques qui sont considérés comme ses œuvres les plus intéressantes, peut-être. Ici, il y a question d'un fantôme, on pourrait dire. En effet, il s'agit d'un triptyque qui est consacré à la princesse Takiyasha. En fait, il s'agit d'un épisode inspiré d'un roman de Santo Kyoden, un autre écrivain très célèbre au Japon, et qui représente un moment précis où la princesse Takiyasha s'initie aux arts magiques. Elle a un but, elle souhaite fomenter une révolte et d'une certaine manière accomplir les volontés de son père. En ce moment-là, elle invoque la présence d'un squelette. En fait, dans des autres illustrations du même épisode, on voit souvent plusieurs squelettes qui arrive, alors que Kuniyoshi fait le choix de représenter un seul squelette énorme, géant, qui arrive dans la composition, on pourrait dire, qui coupe la composition avec cette ligne courbe et qui renverse ce rideau composé de feuilles de bambou sudare qu'on appelle en japonais. Et c'est très intéressant ce triptyque tout d'abord parce que nous montre la maîtrise de Kuniyoshi dans la représentation d'images de format oblong. Ensuite, parce que nous montre aussi une attitude particulière, une étude particulière de l'anatomie. Donc, on voit le squelette représenté dans les moindres détails, les orifices sont représentés d'une manière très précise et surtout, on a encore une fois ce procédé de clair-obscur qui a été sans doute inspiré des techniques occidentales et que Kuniyoshi maîtrise très bien, créant une image très étrange, si vous voulez, très particulière. Parmi les triptyques les plus intéressants de l'artiste figure celui-ci consacré à Oniwakamaru. En effet, Oniwakamaru est le surnom d'enfant de Musashibo Benkei, c'est-à-dire l'un des héros préférés de Kuniyoshi. Ici, il est représenté en tant qu'enfant. Il est campé sur un rocher, les jambes bien écartées. Il s'apprête à combattre contre cette carpe géante qu'on voit à fleur d'eau et dont le regard est cauchemardesque. Il y a déjà cette contraposition, ce contraste, pardon, entre la calme, le côté stable, solide du rocher et le mouvement évoqué par ces grandes lignes courbes du courant d'eau à travers lequel on voit la carpe géante. Encore un autre triptyque parmi les plus beaux réalisés par l'artiste. Ici, on retrouve le héros dont on a parlé au début de cette conférence, c'est-à-dire Miyamoto Musashi, qui combat encore une fois avec un animal de dimension colossale. Cette baleine qu'on peut identifiée comme une baleine semi-coudjira, pardon, c'est-à-dire une baleine noire de l'océan Pacifique Nord, et qui vous voyez donc le corps occupe presque toute la surface de la composition. Et il y a toujours ce contraste entre, on pourrait dire, les dimensions très petites de l'être humain, du héros, du guerrier, et les dimensions énormes dans ce cas du mammifère. Encore une fois, la gamme chromatique choisie par l'artiste est très réduite. On a bien sûr le noir et le blanc, et notamment ces petits cercles ronds au-dessus de la baleine qui décore, car ils rappellent presque des motifs décoratifs circulaires. On a le bleu clair et le bleu foncé pour les flots de la mer, juste un filet rouge, et ensuite le gris
pour les nuages sur le fond, un nom à droite. Et là encore, j'attire votre attention sur la manière où Kuniyoshi représente ces nuages. Cette composition qui évoque le mouvement ondulatoire de la mer est presque équilibrée, balancée par la présence des deux sceaux de l'artiste qui se trouvent aux extrémités en bas, à droite et à gauche. Vous voyez ces sceaux où figure ces cachets où figure la signature de l'artiste en forme de calebasse qui sont toujours accompagnés par le sceau de l'artiste en forme de fleur de Polonia. Encore un triptyque représentant encore une fois un poisson de taille gigantesque. Cette fois, il s'agit d'un requin. En effet, là encore, on est face à un épisode très connu. L'estampe, le triptyque en question, porte le titre de l'esprit de l'empereur retiré Sutoku, envoie ses vassaux au secours de Minamoto no Tametomo. Ici sont représentés dans ce triptyque trois moments différents. Tout d'abord, Minamoto no Tametomo était l'un des hommes qui avait lutté aux côtés de l'empereur Sutoku lors de la rébellion de Honen et qui, suite à la défaite de ce dernier, de l'empereur, était obligé à partir en exil. Donc, cette estampe montre le départ en exil de Tametomo. Et on le voit ici, sur l'estampe à l'extrême gauche, il est représenté sur le bateau et il est prêt à se suicider parce que, à cause d'une tempête qui les surprend, qui surprend lui et sa famille lors de ce voyage, il ne peut pas s'enfuir et donc il comprend qu'il est vraiment obligé à vivre le reste de sa vie en exil. Il souhaite se tuer, mais en fait, les Tengu, ces animaux, ces êtres légendaires dont on a déjà parlé, qui ont été envoyés par l'empereur, viennent pour empêcher Tametomo de se tuer. Sur le fond de l'image, on a la représentation de ce grand requin sur lequel on voit un vassal de Tametomo. Les deux, ils s'empressent à sauver les fils de Tametomo. Ce qui est très intéressant de la représentation de ce requin, c'est la manière où l'artiste a représenté ses écailles. Vous voyez, c'est des petites spirales l'une à côté des autres. Iwakiri Yuriko, qui est l'une des grandes spécialistes de Kuniyoshi, a fait le rapprochement avec cette feuille d'un livre illustré de Morishi Matsurio, et en particulier par les écailles montrées dans cette double page de ce grand reptile. Et donc Kuniyoshi a pu très probablement s'inspirer de ce livre illustré. Ensuite, pour revenir à notre triptyque, dans la dernière feuille, qui est d'habitude de la première selon la manière de lire à la japonaise, on voit la femme de Tametomo qui s'est jetée dans les eaux afin de plaquer les flots. Les fantômes, les revenants sont l'un des sujets privilégiés par l'artiste. Ici, on voit une feuille, une estampe consacrée au relais de Nisaka, appartenant à la série des 53 relais de la route du Tokaido. C'est l'histoire d'une femme enceinte qui voyage la nuit le long de la route du Tokaido et qui est tuée brutalement par un voleur. La scène représentée par Kuniyoshi montre le spectre de la femme qui est en train de remettre son bébé à son mari. Vous voyez qu'il est un peu effrayé par cette image de fantôme. Il faut savoir que les images, l'iconographie concernant les représentations de fantômes présente toujours des aspects qu'on retrouve souvent, pas seulement dans les estampes, mais aussi dans les peintures. Donc les fantômes sont des êtres au Japon, souvent transparents, qui flottent dans les airs. Ici, la présence de fous follets au premier plan évoque justement la présence d'un fantôme. Vous voyez, le visage de la femme montre des traits altérés.
Et donc, son mari, est bien sûr, il a peur. Mais en ce moment, la femme lui explique ce qui s'est passé. Surtout, lui dit que leur fils a été sauvé par un homme, le Bodhisattva de compassion. Et c'est pour ça, qu'il lui remet cet enfant. L'une des plus belles estampes de Revenant est celle-ci. Et qui montre le fantôme de Asakura Togo, cette estampe où figure le portrait de ce fantôme qui est très célèbre au Japon, qui est l'un des motifs les plus représentés dans les estampes de Revenant, est très impressionnante. Et bien sûr, ici, c'est sans doute le dessin de Kuniyoshi qui est remarquable. Mais il faut en tout cas remarquer également le travail de l'imprimeur et du graveur, notamment dans le rendu de la chevelure. Asakura Togo était le chef d'un village surchargé d'impôts par le gouverneur Ōta. Les paysans avaient signé plusieurs pétitions et présenté au gouverneur, mais sans obtenir aucun résultat. Un jour, alors, Asakura Togo décide de remettre la pétition personnellement au shogun, ce qui lui coûtera la vie, et bien sûr, pas seulement à lui, mais également à sa famille. Asakura Togo est d'habitude représenté dans les estampes Ukiyo-e, crucifié, parce qu'en fait, c'est ça sa fin. Il sera crucifié, il sera torturé, ainsi que sa famille. Mais là, on le voit se promener avec un regard complètement vide. Et surtout, en fait, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un personnage, d'un acteur de Kabuki, grâce au maquillage qu'il présente autour des yeux, ce bleu clair qui caractérise également la partie supérieure de son kimono, de son habit, la tache de sang rouge qui paraît sur son cou. C'est un signe très précis pour nous dire qu'il a été tué, qu'il est mort d'une mort violente. Ensuite, sa représentation présente justement d'autres aspects qu'on retrouve souvent dans la représentation de fantômes de revenants. Tout d'abord, les cheveux qui sont en désordre. Il faut savoir que même après la mort, les cheveux continuent à pousser, selon les croyances, selon ce qu'on voit dans les estampes ukiyo-e. Il porte ses bras en avant sans force. Et surtout, en fait, la partie inférieure du corps est très floue. On ne la voit pas. C'était pareil aussi pour la femme qu'on a vue tout à l'heure, pour le relais de Nisaka. Les jambes, c'est le lien avec la terre. Les fantômes n'appartiennent plus à ce monde terrestre. Ensuite, dans cette estampe, c'est magnifique les dégradés de couleurs qui évoquent une scène nocturne. Alors, on l'a vu, Kuniyoshi a sans doute étudié les illustrations occidentales, donc les procédés, si vous voulez, les techniques de l'art occidental. Mais il a probablement également influencé les artistes occidentaux à la fin du 19e siècle. Ici, on voit sur la gauche une image qui représente l'une des 8 vues de la province de Domi, c'est-à-dire l'un des thèmes classiques de l'iconographie japonaise qui s'inspire d'un thème chinois, la représentation des vues des rivières Xiaoxian. Ce qui est très intéressant ici, c'est que Kuniyoshi utilise le sexe féminin pour montrer cette vue, pour montrer ce paysage. Alors, Richard Lang, qui était un connaisseur incroyable d'estampes ukiyo-e, a fait le rapprochement de cette image avec le célèbre Origine du monde de Courbet à la fin des années 90. Ensuite, ce rapprochement a été repris par d'autres chercheurs. Et c'est vrai, et entre-temps d'ailleurs, d'autres chercheurs ont pu identifier le modèle de l'Origine du monde de Courbet. C'est un rapprochement très suggestif qui nous fait sans doute réfléchir, notamment pour le titre choisi par Courbet. En fait, l'origine du monde avait été cachée sans doute, mais connue par certains
amateurs, certains écrivains à la fin du XIXe siècle, comme Edmond de Goncourt, qui avait eu l'occasion d'admirer ce tableau chez Antoine de Lanart, c'est-à-dire l'un des marchands d'art chinois et japonais à Paris à la fin du XIXe siècle. Ce tableau avait été réalisé par Courbet pour le collectionneur Khalil Bey. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve dans les pages du journal des frères Goncourt un témoignage qui nous fait sans doute penser à ces tableaux et notamment aux estampes, aux images d'omis réalisées par Kuniyoshi. Dans ce cas, c'est probablement Jules de Goncourt, qui n'était pas encore mort à l'époque, qui a noté. En octobre 1863, j'ai acheté l'autre jour des albums de sénilité japonaise. Cela me réjouit, m'amuse, m'échante l'œil. Je regarde cela en dehors de l'obscénité qui est et qui semble ne pas y être et que je ne vois pas tant elle disparaît sous la fantaisie, la violence des lignes, l'imprévu de la conjonction, l'arrangement des accessoires, le caprice des poses et des choses, le pittoresque et pour ainsi dire, le paysage des parties génitales. Et donc, comme je vous disais, l'œuvre de Kuniyoshi était certainement connue dans la seconde moitié du XIXe siècle en France, même si son nom n'était pas connu, car à l'époque, c'était surtout des artistes comme Hokusai qui étaient connus et dont les artistes occidentaux retenaient les noms. Dans ce tableau réalisé par James Tissot, on voit plusieurs estampes, car je suis convaincue qu'il ne s'agit pas d'un rouleau japonais comme est précisé dans le titre. Il s'agit plutôt, à mon avis, d'un album en accordéon, un album qu'on le voit souvent dans les collections rassemblées à la fin du XIXe siècle, un album d'estampes dont on peut reconnaître certaines estampes, dont on peut au moins reconnaître le style de certaines estampes. Je crois qu'il s'agit d'artistes de l'école Utagawa. Les estampes de Kuniyoshi et de Kunisada étaient présentes à Paris au moins dès 1867, car elles avaient été exposées à l'occasion de l'exposition universelle, la première exposition universelle qui marque la participation officielle du Japon à ce type d'événement. On voit par exemple en premier plan, en bas à gauche du tableau de Tissot, des images qu'on peut sans doute rapprocher aux images des Ronin représentées par Kuniyoshi et qui constitue l'une des séries les plus connues de Kuniyoshi, réalisée entre 1847 et 1848. C'est des images, justement, des héros dont on a parlé tout à l'heure, sont des images très dynamiques. Ces personnages sont représentés sur un fond clair, accompagnés d'inscriptions qui les concernent. Une autre image de Kuniyoshi qui a l'attention d'artisans de l'époque est celle du moine Nichiren. En fait, Kuniyoshi consacre plusieurs estampes à ce moine, surtout au miracle qu'il a réalisé. Mais cette estampe est particulièrement intéressante car elle dégage une atmosphère incroyable. Ici, l'estampe montre le moment où Nichiren avait été envoyé en exil dans l'île de Sado, connue pour ses hivers impitoyables. Il y avait été envoyé sans nourriture et sans vêtements adéquats. Mais sa foi et sa détermination lui ont permis de résister à ces conditions extrêmes. Et vous voyez sur la droite l'un des plats, l'une des assiettes faisant partie du service Lambert Rousseau, reprend telle quelle une partie de cette estampe. Henri Lambert était un décorateur, un peintre de porcelaine. Il avait collaboré longtemps, environ 40 ans, avec la manufacture de Sèvres. Et alors que Rousseau le connaît pour le célèbre service Rousseau, il était un marchand et un céramiste également. Donc, c'est des artistes, des artisans qui se sont servis de motifs japonais pour le décor de leur création. Alors, Kuniyoshi, il est célèbre aussi pour ses images drôles, pour ses caricatures. Il faut dire qu'ici sont mis à l'honneur les chats,
les animaux préférés de Kuniyoshi. Ses élèves disaient qu'il aimait s'entourer de chats, que son atelier pullulait de chats et surtout qu'il avait l'habitude, lors des hivers froids, de tenir toujours un chat dans son kimono. Ici, Kuniyoshi se montre un inventeur incroyable. Il utilise les chats pour donner vie à des syllabes de l'alphabet hiragana. Et donc, ces syllabes sont composées de petits chats représentés dans des poses, des attitudes différentes, sous les yeux d'une pieuvre. Car en fait, le mot composé est tako, c'est-à-dire pieuvre en japonais. Les chats ici, par contre, évoquent une image très animée d'un quartier des plaisirs. Il faut savoir qu'à ce moment, en 1846, le Shin-Yoshiwara dont je vous ai parlé tout à l'heure n'existait plus, car aussi le nouveau quartier des plaisirs avait été détruit par un incendie en 1845. Et donc la prostitution était permise dans un autre quartier de la ville d'Edo. Ici, c'est très intéressant parce que Kuniyoshi représente les courtisanes comme des chats. Alors, à la fin de l'ère Tempo, et en particulier à partir de 1842, le shogunat avait promulgué des lois qui interdisaient les dépenses somptuaires. Et en particulier, il était interdit de représenter les acteurs, de représenter les courtisanes et surtout leur vie. Et donc, cette estampe en forme de Uchiwa, d'éventail Uchiwa, est une subtilité de Kuniyoshi pour détourner la censure de l'époque et de représenter la vie des courtisanes qui figurent ici, vous voyez derrière ces grilles en bois, sans bien sûr dire d'une manière explicite les choses. Encore les chats, cette fois, ils sont associés à les étapes, les relais de la route d'où donc on part droit en droite avec ce pylon de pont, avec le relais de Nihonbashi, c'est-à-dire le point de départ, et on arrive ensuite à Kyoto en bas à gauche. Et vous voyez, les chats sont représentés dans des attitudes différentes, dans des expressions différentes. Et c'est très varié et c'est bien sûr très drôle ce rapprochement fait par l'artiste. C'est le cas également d'une autre estampe très amusante. Il fait des portraits d'acteurs comme à la manière des graffitis. C'est comme s'ils avaient été gravés sur le mur à l'aide d'un clou. En effet, souvent à Tokyo, des bâtiments qui jouaient d'entrepôts, qui avaient la fonction d'être des entrepôts, avaient les murs recouverts d'un revêtement blanc pour empêcher les incendies. Et donc les enfants y allaient faire des dessins. Et c'est ça qui est évoqué ici. C'est des portraits d'acteurs, encore une fois, qu'on ne pouvait pas représenter. Et donc Kuniyoshi les représente à sa manière. Et il va jusqu'au bout dans cette démarche, car même sa signature et même les sceaux représentés sont réalisés à la manière de graffiti. Encore des estampes très drôles qui montrent des tanuki, c'est-à-dire des yokai, des monstres, on va dire. C'est des animaux fantastiques qui avaient plusieurs pouvoirs. Le pouvoir de changer de forme et aussi un pouvoir un peu plus particulier, c'est-à-dire de gonfler les testicules qui arrivaient à avoir des dimensions énormes. Ici, on voit à nom la scène d'un médecin qui est venu visiter un tanuki malade dont le testicule prend des proportions exagérées. Alors qu'en bas, on voit les sept divinités du bonheur représentées en tant que des tanuki. Parmi les estampes les plus drôles réalisées par Kuniyoshi, on retrouve une série composée d'environ 6 feuilles représentant des personnages assemblés formant un autre personnage. Et c'est le cas ici de ces 2 estampes, sur l'une desquelles figure une inscription dont j'ai repris la traduction de Christophe Marquet, l'homme
ne peut devenir bon s'il ne se forme grâce aux autres hommes. Monsieur Tsuji Nobuo a fait un rapprochement très suggestif de ces images avec les portraits réalisés par le peintre italien Giuseppe Arcimboldo. Bien sûr, c'est à des époques différentes et surtout les portraits de Arcimboldo étaient obtenus par l'assemblement de fruits et de légumes, comme c'est le cas de ce portrait appartenant au musée de Louvre. Alors, ces assemblements de chats, à l'occurrence, ont été repris aussi par un élève de Kuniyoshi, c'est-à-dire Yoshifuji. Et ici, représentait cette grande tête de sorcière chat, composée d'autres chats. En fait, c'est une illustration qui a paru en France au 19e siècle, dans l'ouvrage de Champfleury, consacré aux chats, et où on retrouve des illustrations réalisées par Kuniyoshi et par Hokusai. À l'époque, en fait, on pensait qu'il s'agissait seulement de Hokusai, mais ce n'est pas le cas. Et donc, et surtout, on retrouve même l'illustration d'un élève de Kuniyoshi. D'autres estampes très drôles, comme cette série dont le titre est Kingyo Zukushi, c'est-à-dire des innombrables, un grand nombre de poissons rouges, et sont en effet représentés des poissons rouges dans des activités différentes. Dans cette estampe ici sur la gauche, un chat vient de les surprendre. Ils essayent de se défendre. Ils ont très peur. Dans d'autres estampes, ils sont en train de boire du saké avec des coupelles à saké, etc. Ou bien dans cet autre exemplaire où ils se protègent à l'aide de parapluies de feuilles d'une pluie d'araignées d'eau. Et donc, bien sûr, c'était un autre moyen de représenter de manière très sympathique des portraits d'acteurs que, je rappelle, étaient interdits à l'époque. Ici, des poissons donc montrent des visages avec des expressions d'acteurs célèbres à l'époque. Et il n'y a que des expressions des acteurs, les visages, mais également des armoiries qui décorent les corps de ce poisson et qui sont un renvoi direct aux armoiries de famille, des familles des acteurs représentés. Cette même image a pu peut-être inspirer un illustrateur, un caricaturiste, affichiste et écrivain français, Georges Gouzas, qui était connu sous le nom de Sem, qui réalise notamment dans cet album Sem à la mer bleue une page avec des poissons au visage de personnalités célèbres dans le tout Paris du début du XXe siècle. Nous avons terminé donc le cycle de conférences l'université ou le musée. Par cette dernière conférence, je remercie encore les deux intervenants de la première et la deuxième conférence, Monsieur Asano Shugo et Madame Brigitte Koyama-Richard. Nous espérons pouvoir vous accueillir bientôt dans les salles du musée Tchermouski et de vous accueillir à l'exposition Voyage sur la route d'Ukisukaido. Je remercie énormément les équipes du musée Tchermouski et les équipes de Paris Musée et toutes les personnes qui ont collaboré à l'exposition.